السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هذا أول كور سيري ديال لي كور إلكتريسيتي. واحد إذا بزاف ديال لي ستوديون طلبوا سور لا باج فيسبوك لو كونت ديالنا على أهل ديكور دي كور سور إلكتريسيتي إي لوكسيجيومتري. دونك هذا كما قلنا أول كور في هاد السيري ديال إلكتريسيتي. دونك هذا النهار غادي نقترحوا عليكم نشوفوا واحد المعارف اللي ديجا قريتهم. دونك اول لوا هو لا لوا دو كولور. دونك نشوفوا لا لوا دو كولور كيسكو سيغنيفي. دونك دوزيام دي شوز غادي نشوفوا لي ديستريبيسيون دو شارج اللي كاينين. دونك كاين تروا جون دو ديستريبيسيون دو شارج اي كيلكو زيكزومبل. دونك بريميرمون غادي نمشيو حنا لا بارتي الاولى سي لا دير الكتروستاتيك دون لو فيد اي دوزيام بارتي سي الكتروسينيك سي دير لي لوا d'électrosynthétique et le théorème de Terman Norton et superposition. Donc inchallah غادي نكملو غادي نديرو هادشي inchallah في دوتر فيديو. دونك ما عليكم الا تابعونا سور نوتر باج فيسبوك او لا لا شين يوتيوب اش ديكور سور يوتيوب. دونك اول حاجه غادي نشوفو ما معناها الكتروستاتيك دون لو فيديو. دونك الكتروستاسي دونك هي بروميير لت بروميير تيرم سي الكترو تو سكي Et l'électrodynamique, c'est-à-dire tout ce qui dépend de charge. Donc statique, c'est que les charges étudiées sont statiques, c'est-à-dire ne sont pas au mouvement. C'est ça l'électrostatique, et c'est ça ce qui signifie ce terme. Dans le vide, c'est-à-dire j'étudiais les charges statiques dans le vide. C'est très important de comprendre à chaque fois le sujet ou le titre du sujet qu'on aborde. Donc la loi de Coulomb. Donc la loi de Coulomb, c'est qu'est-ce qu'elle caractérise. Donc elle caractérise l'effet d'une charge ponctuelle Q1 sur une autre charge. Donc s'il y a la charge ponctuelle, c'est-à-dire on a un point, donc on a un point donné. Donc il y a une charge ponctuelle Q1, donc et il y a une autre charge Q2. Donc par l'expérience, c'est-à-dire c'est une relation empirique. Donc c'est ça. Donc la distance entre la charge 1 et la charge 2, c'est R. Donc la force F de 1 sur 2 est la donnée cette forme. Donc de F1 sur 2. C'est Q1, Q2 sur 4i epsilon 0, Q1 sur R carré. Avec U1, c'est le vecteur unitaire porté par la distance de près le sens c'est de 1 vers 2. De E2 vers 2, c'est, on définit le vecteur unitaire E2, U2, donc F de 2 sur 1, elle est égale, même terme Q1, Q2 sur 4, I, epsilon 0, U2 sur R, carré. C'est la loi de Coulomb. Donc on remarque que le vecteur unitaire U1 sont opposés. Donc égal au moins U2. Et c'est d'après la loi de l'action et de la réaction que F1 sur 2 est égal à moins F de 2 sur 1. Donc on a écrit, donc on a déduit que la charge Q1 elle crée un champ électrostatique E1. Donc elle crée un champ électrostatique E1. Et la charge Q2, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée le champ électrostatique E2. Et donc, on a déduit que F1 sur 2, elle est égale à quoi? À Q2 fois le champ électrostatique créé par
tel que, et donc tel que E1, le champ électrostatique créé par la charge 1, c'est U1 sur 4 pi epsilon 0, U1 sur R carré. Et donc, de la même chose, F de 2 sur 1, elle est égale à Q1 fois le champ électrostatique créé par la charge 2. Donc, elle est égale E2, donc E2, elle est égale à Q2 sur 4 pi epsilon 0 Q2 sur R carré. Donc c'est ça les relations sont très importantes, c'est-à-dire la loi de Coulomb, c'est celle-là, et de la même chose, celle-là. Donc, il faut bien remarquer que le champ électrostatique est un tel en K sur R carré, c'est-à-dire un facteur de 1 sur R carré. Donc, si on s'approche trop de la charge, on va sentir de plus le champ électrostatique et donc la force. Et donc si on est loin vers l'infini, on va pas sentir le champ électrostatique parce que R étant elle est grande et donc le 1 sur carré tend vers 0. Donc c'est ça, et epsilon 0 et 1 sur epsilon 0. Epsilon 0 c'est un terme qui s'appelle la permittivité du vide, c'est-à-dire permittivité du vide, c'est-à-dire c'est la comme le nom l'indique, c'est la permittivité. Donc elle décrit la capacité d'un milieu à laisser passer le champ électrostatique, donc la permittivité du vide, c'est-à-dire si un milieu résiste au champ électrostatique. Donc c'est ça la loi de Coulomb, et on a défini le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle. C'est Q1 sur 4 pi epsilon 0, U1, c'est-à-dire le vecteur unitaire de la charge Q1 vers le point M ou vers un point M quelconque de l'espace. Donc c'est bien ça, et cette écriture qui va nous donner le champ électrostatique créé par une distribution de charge donnée. Donc on va en premier lieu caractériser les distributions de charge qu'on a. Donc, qu'est-ce que ça veut dire distribution de charges? C'est, premier terme, distribution. C'est-à-dire, il y a des charges distribuées sur une forme géométrique. Donc, c'est ça, c'est des charges distribuées de façon uniforme ou non sur une forme géométrique. Donc, en premier lieu, on va définir une distribution de charges linéique. Linéique. Et donc on va définir une distribution de charge linéique lambda. Lambda, ce terme lambda, avec une unité de Coulomb mètre moins 1, on va définir. Donc il y a César et une ligne, c'est-à-dire si je prends une portion d'L, ce DL, il va contenir une charge DQ, et donc je vais définir une distribution de charge qui est égale au rapport de DQ sur DL. Donc ça, en Coulomb, c'est-à-dire l'unité de la charge, le DL en mètres, et donc l'unité de cette distribution, c'est Coulomb mètre moins 4 moins 1. Donc c'est ça la distribution de charge linéique. Donc deuxième cas, c'est la distribution de charge sur facique. Donc je vais définir une distribution de charge sur facique sigma. Donc si je prends une surface quelconque et un ds, enfin ds, et donc ce dS, elle va contenir une charge
D de Q. Et donc sigma, elle est définie par le rapport de del Q sur del S. Et donc celle-là, en couleur, celle-là del S, lui, c'est produit de deux variables, et donc c'est en mètres carrés. Et celle-là, c'est en couleur mètre moins 2. Donc c'est celle-là, c'est la distribution de charge sur facique. Et il nous reste la troisième et la dernière, c'est vos limites. Vos limites, je vais définir une distribution de charge volumique. Donc celle-là, donc je vais dessiner un volume V. Donc celle-là, une surface S. Donc ce volume contient une charge totale Q distribuée sur dans ce volume. Je vais donc un D de V. Et donc ce DV contient une charge de Q. Et donc, en gros, ce n'est que le rapport entre dQ et dV, c'est-à-dire, elle décrit la variation du char, de la charge Q sur tout le volume V. Et donc, celle-là, comme toujours, c'est en coulomb. dV, c'est en mètre cube. Et ρ, c'est en coulomb mètre moins 3. Donc, c'est celle-là qu'il faut retenir. Donc, je vais décrire trois exemples de ces distributions. Et Inch'Allah, vous trouverez un résumé sur toutes les formules. Vous n'allez qu'à les télécharger sur HDCours où je vais vous proposer de les faire sur forme d'image comme celle-là. Je vais enregistrer ça en image et les voyez sur la page Facebook. Donc, premier exemple. Donc, si je considère un fil chargé, charge, comme ça, un fil suivant Z, l'axe Z. Donc, si il est délimité, sa longueur, c'est grand M. Donc, je vais prendre une portion de L qui est égale, dans ce cas, de Z. Et donc, lambda égale à dQ sur dL qui est égal à dZ. Et donc, dQ est égal à lambda dZ. Si je suppose que lambda est égal à constante, donc il ne dépend d'aucune variable, alors la charge Q qui est égale à l'intégrale de dQ, elle est égale à l'intégrale de lambda de z. Lambda est constant, je peux la sortir. Et donc l'intégrale de dz, c'est la longueur totale. Donc elle est égale à lambda fois l. Donc la charge totale sur ce fil de longueur l, elle est égale à lambda fois l. Deuxième exemple, si je considère une spire. Donc, une spire, c'est le cercle de rayon grand R et d'axe en Z. Donc, si je prends un DL, donc celle-là, cet angle, c'est D. Donc, DL, comme vous le savez, c'est un arc. Donc, DL est égal à R d θ, tel que R est fixe et donc R d θ. Donc, Q, donc lambda, elle est égale
A del Q sur D de L. Et donc, je peux dire que si lambda est constante, donc toujours qui est égal à, je suppose qu'elle est constante. Donc, on va voir un exemple où lambda ou notre rho, où on va voir rho n'est pas constante, il va dépendre de R. Et donc, la charge totale Q, elle est égale à l'intégrale de lambda dl qui est égale à lambda R de theta. Donc, je vais sortir lambda. Donc, lambda R et lambda R de même. Constante, donc lambda R de l'intégrale de theta. Theta, pour balayer toute la spirale, je vais intégrer de 0 à 2 pi. Et donc, pi est égal à 2 pi R fois lambda. Donc, c'est bien ça. Donc, troisième exemple, si je prends un disque, qu'est-ce que ça veut dire un disque? C'est-à-dire, il est plein sur une surface d'axe Z. Donc, il est défini par une densité surfacique de charge qui est égale à dQ sur dS. Dans ce cas dS, je vais prendre un rayon R, petit r, et donc c'est celle-là, dS. Donc celle-là, c'est dR, et ce petit r, c'est r dθ. Donc dS égale à dR fois r dθ. Donc qui est égal à r dr de theta. Et donc sigma si elle est constante, donc Q elle est l'intégrale de d de pi, donc c'est sigma fois s qui est égal à pi r carré fois si sigma. Parce que l'intégrale de 0 à 1, c'est r carré sur 2, et de dθ égale à 2 pi, donc 2 va se simplifier par 2, ça reste r carré fois pi, donc c'est connu, S de la surface d'un disque, le rayon r, c'est pi r carré fois sigma, c'est connu. Bon. Dans le cas où les densités de charge sont constantes, donc on suit pi égale à lambda fois l, donc c'est le périmètre fois lambda, et ce pour le disque, c'est pi r carré fois sigma. Dans le cas où une distribution n'est pas uniforme, il faut intégrer sur les bornes et savoir les bornes de chaque intégration. Je vous remercie pour votre attention. Donc là, je vous cette vidéo. Encouragez-moi par votre commentaire. Partagez cette vidéo avec d'autres étudiants. دونك باش نعرفوا ردة الفعل ديالكم دونك الى كان يكون دونك كونتينيو بار دوتر فيديو سينون دونك المهم اننا تعرفونا على ردود الاراء ديالكم الفعل ديالكم وميرسي بيان بور فو اتونسيون ان شاء الله جو في كونتينيو بار دوتر فيديو دونك هادي هي بريمير ايبيزود في هاد لا سيري ديال الكتريسيتي ان شاء الله دابا ندير دوتر فيديو في الاوبتيك جيومتري